Jeudi, c'est mercredi 29 novembre 2017. Il fait exactement 5h05. Gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Radio Pola, Signal FM 90.5 et puis sur www.signalfmhaiti.com. C'est troisième sortie, journal sans force côté qui entre la caillou pour semaine ça. Mes titres qui dominaient à l'actualité. Pour une autre fois, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte prend la presse pour faire qu'on est innocent. Conclusion rapport, commission spéciale sénatoriale sur fond Petro-Caribe. Laurent Lamotte a déclaré, c'est un rapport anti-tête calée. Ministre Justice Eddie Fortuné, ministre économie et finance Jude Alix, Patrick Salomon ensemble avec Wo état major dans PNH lan invité journée mercredi devant bureau Sénat République lan. Problème ayere sa les primes ris pour policiers yo, assistance pour famille policier qui mouri dans exercice fonction yo, c'est quelque parmi point cap gain pour discuter dans rencontre si là. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine accompagné avec le ministre des Travaux publics, Transport et Communication et puis directeur général Konatel te répondre ailleurs. Invitation bureau chambre député yo. Rencontre l'ante déroulée sous toute qualité service compagnie téléphonie mobile yo à bail peuple haïtien. Secteur opposition populaire annonce yon l'autre manifestation pour mercredi 29 novembre dans la rue Port-au-Prince. Mouvement ça, c'est pour commémorer 30 ans l'année, massacre dans Riel Vaillant et puis dit non à remobilisation force l'armée d'Haïti. Leader plateforme Petite Dessaline bayon conférence pour la presse ayer madia pour faire connait l'IPAP qui a participé dans tout un mouvement mobilisation opposition a fait à cause état santé li pa fin kodjom. Moïse Jean-Charles annoncé dans 3 mois encore l'a bien pour retourner dans pays qui ba côté le pour continuer prendre soin la santé. Plusieurs centaines de partisans magistrats Dominique Saint-Roch manifestent dans la Répétionville à Yamadia pour dénoncer décision juge instruction Wilner Morin qui voyait devant tribunal criminel pour juger suivant la loi pour implication dans association malfectée. Président République Jovenel Moïse signe divers accords de coopération qui a coûté 97 millions de dollars américains à un pays Venezuela. Dans le cadre d'un point pour la presse, l'ité bay dans le salon diplomatique à l'aéroport Toussaint Louverture, pendant le retourner dans le pays, Jovenel Moïse rappelera qu'on l'issien yo chita sous domaine agriculture, infrastructure routière et énergie. Accompagné avec le sénateur Dieu-Piché Rubin, Jean-René Lassénatus, député Pierre-Julien Fekière, représentant Collège Union Évangélique Baptiste d'Haïti, avec la Fédération Protestante d'Haïti, ministre Éducation Nationale l'a visité Collège Maranatha dans Gravine, 2 semaines après la police a mené une grosse opération dans l'école Silla. C'est titre ça yo à quelques autres encore qui pral fait essentiel journal sans fausse côté. Restez branché, n'a tourné dans quelques secondes. Signal FM, nous pi fort, nous pi haut, nous pi loin. Signal FM 90.5, c'est radio qui fait équilibre. Merci d'être toujours été branché radio pour la Signal FM pour informer ou dans les ça ou fait bon choix. Manœuvre technique, c'est Fabrice Bolané. Production Ferro des Sources, coordination Josué Lexidor, en bas supervision Tom Dumont, Ronald Deshommes, et puis rédaction Arnold Dorsius, et encore présentation serviteur ou Arnold Dorsius. Mais journal là en détail, nous praler dans parlement haïtien dans cadre série séance qui pote non mercredi contrôle Sénat République là organisé chaque mercredi dans parlement pour contrôler activité gouvernement. Président Grand Croix Youri Latortu annoncé et sénateur Abgeg pour recevoir journée mercredi à ministre finance Jude Alix Patrick Salomon, ministre sécurité publique là et du Fortuné et puis recommandement état major non PNH là. Rencontre là a fait sous différents points policiers a fait face tant que problème aéré ça environ 9 mois primaire yo doyo pour ne citer ça yo seulement. En écouter explication président de la République là Youri Latortu dans micro Josué Lexidor.
Pour faire suivi à dernière rencontre que nous avons fait sur le plan de développement de la police. Les policiers ont une série de problèmes que ont rencontrés dans le travail. Par exemple, il y a des arriérés de salaire, des policiers qui ont bail grade, mais qui n'ont jamais touché comme ça. Il y a la question de prime de risque, de frais. Il y a bah, simplement 3 mois. Il y a environ 9 mois. Il y a également la question d'assurance. Puisque nous connaissons un pile policier qui est victime pendant qu'il a fait travail. Et pendant qu'il victime là, nous avons que famille ont délaissé madame. Yo. Et assurance là, t'es gagné. On promesse qui t'est faite pour que le déprend en charge les enfants mineurs, ni que sur l'école, yo, même université. Yo, et yo t'es aidé madame, yo, nous, jusqu'à présent, ça n'a pas fait. Et qu'il y a un pile policier qui t'a fait travailler l'État, qui est victime pour l'État, et puis madame, yo, si moun yo, yo délaissé. Donc, on a convoqué demain tout état-major de la police là, avec ministre finance, ministre justice, pour que justement, yo, qu'a régler problème ça. Problème là posé, à chaque fois, on dit, on va le régler, il faut que, dans le mois de décembre là, yo arrive. Bah, les policiers ont arrivé à salaire. Ils ont arrivé à régler la question de prime de risque là. Et surtout, la question importante hein, des femmes des policiers décédées, côté que la famille a été délaissée alors que les policiers ont été au service de la patrie. Ce sont des gens qui, le plus souvent, sacrifient la tête. Il faut que nous veillions à ce que madame, yo joigne ça pour joindre et Timonio, yo eh bien continuer à éducation yo puisque en général c'est au service justement de la batterie que les policiers ont tombé. C'est extrêmement important et dans la séance ça nous parlons particulièrement rester sous cas policier yo puisque au niveau du Sénat nous déprend déjà comme résolution que dans quel importe budget rectificatif que n'a pas agi sous salaire yo. Ça nous pas poser le demain mais demain n'a posé la question de prime de risque, la question d'arriéré de salaire et la question des assurances, surtout concernant les femmes, les policiers décédés. Sénateur Youri Latortu qui invite ministre de l'économie et de la finance, la Jude Alex Patrick Salomon, ministre du Fortuné, ministre de justice, et puis au état-major dans PNH. Donc, cadre dossier la police nationale d'Haïti lance un avis recherche derrière Beauvoir, Inopol, avec plusieurs autres membres gang qui t'a opéré dans Thomasin, La Boule, à Cafelmat, agent PNH déjà démantelé depuis dimanche passé, d'après porte-parole PNH. Gary Desrosiers, dans le cadre d'une conférence pour la presse hier mercredi, fait qu'on rappelle le commissariat Pétionville Rive mettait la patte hier le dimanche passé, dans Gagan George Williams McAnally, qui c'est yon nan chef gang qui tape simé la troublaille dans zone Pèlerin Thomasin La Boule à Café Mat. Li spécialisé le tout nan kase kay et puis pote aller tout ça si malheureux yo gagné dans zone si la. An koute explication inspecteur général à PNH lan Gary Desrosiers nan micro Wesley Antoine. Nous tape recherché yon nan chef de gang yo qui c'est McAnally George Williams côté que hier, entre 4h et 5h, la police Pétionville a arrêté monsieur dans Pèlerin 5, dans la localité créée Tibouk. Et monsieur lui-même statue, monsieur résidé aux États-Unis. Résidence monsieur a fini le 22 juillet 2009. Monsieur gagné 31 ans. Dans le cadre de ça, la police a recherché activement un chef de gang. Et selon McAnally George Williams, c'est monsieur tête pensante réseau. C'est Beauvoir, Inopol. N'a pas songé lors d'intervention que la police Pétionville de fait dans le cas écouté qui a entreposé tout ça au saisie, à savoir les tableaux, bijoux, zamio. Nous te joignons le passeport, monsieur là. Monsieur fait le 22 juillet 1979, il gagne 38 ans. Monsieur fait Grande Rivière du Nord. Il a recherché tout Paul, qui continue donc les Inops, ainsi connu. T Junior, ainsi connu, et Small, qu'il a recherché dans le cadre du dossier ça. Et mot de passe, monsieur Sayo, les réunis pour opérer. Le mot de passe, et c'est à travers le téléphone justement communiqué. Et mot de passe en réunit tout le monde, tête monde. C'est là justement que vous basez, vous planifiez l'opération, vous êtes capable de monter votre travail pour aller frapper. Et il y a plusieurs monde qui sont victimes. Et on va garantir chef gang ça que McAnally dénoncé comme auteur principal et tête pensante la police a volé.
La police nationale a renforcé mes sécurité yo pendant fête fin année yo dans l'idée pour permettre population yo même yo vaquer activité yo fête si fête yo dans tranquillité dans sa garide aux effets qu'on est PNH là a pas joindre six ports mini juste pour mener opération ça yo li mandé toute population pour continuer collaborer avec PNH là pour y arriver mettre la patte dans coup tout malfaiteur capta et bada dans pays a en côté précision porte-parole PNH là garide Rosier toujours dans micro Wesley Antoine. Fin d'année approche et la police, au niveau de la direction générale de la police nationale, ensemble disposition avec bien sûr la ligne juste pour fin d'année, hein, capable de passer bien sur le plan sécuritaire. Côté que le commissariat renforcé par l'unité spécialisée, présence en uniforme, agent de l'ordre à travers les rues de Port-au-Prince, zone métropolitaine et ses environs. Présence discrète et certaine dans le centre commercial de policiers, fouilles, motards. Checkpoint et opération PNHO a continué un peu partout de manière pour que nous soyons capables de permettre de passer en fin d'année tout à fait exceptionnel. Et le 24 décembre, nous avons assuré toute sécurité pour les gens qui prennent plaisir, qui prennent dans le restaurant, qui prennent l'activité quartier, les gens qui prennent l'armée surtout, parce que nous connaissons tradition. Et la partie sécurité et présence à bon l'église autour. Et toute disposition, ça, nous prenons dès maintenant, parce que nous anticipons jusqu'à ce que l'année a fini. Et encore une fois, nous demandons aux populations de collaborer avec nous, nous demandons aux moteurs, aux chauffeurs, aux gens qui ont piloté, qui ont conduit le véhicule, collaborer parce que c'est certain que les gens qui ont été capables de déranger, mais nous avons fait les dans mesure pour que nous soyons capables assurer sécurité pour fête fin d'année. Et la police, beaucoup de parler, nous pas garantie. C'est certain, pas bon garantie sécurité qui fiable à 100%, mais en fonction des moyens nous, des moyens de personnel nous, de moyens et logistiques nous, nous prenons toutes dispositions pour que nous soyons capables d'assurer sécurité tout le monde pour fin d'année. Et diaspora autour, nous sommes capables d'inviter autour d'entrer dans le pays, venir dans la famille. Et la police, beaucoup de parler avec, bien sûr, appui population, parce que en matière de sécurité, population lui-même, c'est partenaire nous, et nous demandons justement collaboration dans ce sens-là. C'est au moment fait, côté que zone commerciale, quand il y a l'activité, nous parlons de magasin, nous parlons de marché, centre-ville, Pétionville, et tout autre côté de l'activité marché, bon, c'est certain que bon présence vraiment assez remarquable de force de l'ordre qui l'a prouvé. Et pendant ma douleur là, pendant ma parole volant, et depuis hier soir, moi-même, des ouais tout, côté que policiers qui n'ont une unité spécialisée, t'as fait des fouilles, t'as palpé le monde. C'est encore une fois de manière pour qu'une capable d'assurer sécurité et tout le monde indistinctement. L'autre information nous prend descendre dans le Parlement haïtien. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui te gain Akali, ministre Travaux publics, Transport et Communication, Fritz Kayo et directeur général Konatel David Rodney répondent à Yamadi agence a été annoncé invitation yon groupe député qui te gain en tête les Kesner Chambasla, Garibodo sur toute qualité service compagnie téléphonie mobile à baille population haïtienne. Député circonscription Delma dit le satisfait à la façon rencontre l'an déroulé, annoncé un appel d'offres qui pourra lancer une manière pour permettre technologie 4G LTE à utiliser dans le pays. Yon l'autre bord, Garibodo annoncé yon l'autre rencontre dans 15 jours encore, toujours avec le même ministre, avec même premier ministre Jacques Guy Lafontaine, dans l'idée pour constater si réellement gain suivi qui fait dans différentes recommandations. Député a lui-même, député a lui-même fait yo. En écoute explication, député Garibodo, Namiko Josué Lexidor. Et question mauvaise qualité service, nous dit tantôt, perception vol 2 minutes, des gens qui mettent des cartes sur téléphone, yo, qui perdent du 4 là. Et je dis à nous, même le premier ministre, qui est le deuxième personnage PIA, se dit victime également. Donc le problème n'est pas porté au plus haut niveau de l'État. Donc nous avons fait notre travail comme homme d'État. Nous va parler pour que c'est dans la rue, discussion a fait. Donc discussion a fait au niveau institution. Il y a un Konatel qui là, il y a un ministre de la République là, il y a un premier ministre là. Donc nous avons continué. Discuter, nous avons rendez-vous dans 15 jours pour nous évaluer la séance de travail. Ça, il y a des recommandations claires qui fait. Donc, nous sommes satisfaits de la séance de travail. Ça, première séance de travail, ça fait. Mais son ferry qui a fait. Donc, dans 15 jours, nous avons encore pour nous évaluer les dispositions que le chef gouvernement promet
à travers le ministère de la République, à travers le directeur qu'on a là. Donc nous, ouais, c'est des acteurs qui préoccupent même gens avec nous. Donc je dis à nous débat en plateforme au niveau du Parlement pour que vous adressez à la population et pour annoncer un certain nombre de dispositions que vous prenez. Les recommandations sont claires par rapport à l'ensemble des plaintes qui posaient. Donc, le directeur qu'on a là, il est clair qu'il disposait d'une batterie de procédures et grand pile plainte qui commençait à évaluer, analyser, il y a des rencontres qui commençaient à faire avec compagnie téléphonie mobile. Sous question 4GLTEA, technologie ça que compagnie a utilisé sans avoir une licence sous le donc directeur qu'on a là, à travers le premier ministre, il promet pour avoir une discussion qui a continué et il a abouti à des appels d'offres et publics qui a fait pour que et technologie 4GA, compagnie au partenaire qui a été pour utiliser le constat, mais vraiment pour que l'État capable de bénéficier de lui, que la population tout bénéficie de lui. Donc, bon ensemble de préoccupations qui étaient faites autour de table là, nous pensons, nous analyser, c'est une rencontre pratiquement très fructueuse. Nous avons 4 heures de temps depuis, nous avons discuté là, nous avons gardé des pistes de solutions, nous avons gardé des dispositions qui pourront prendre par rapport au développement du secteur, parce que son secteur qui contribue à hauteur de 25% assiette fiscale là et nous dans pays côté chaque 20 centimes compté pour améliorer conditions la vie population hein. Donc rencontre ça nous ca qualifier donc première rencontre est assez fructueuse mais nous dit dans 15 jours nous gagner pour nous rencontrer encore pour nous évaluer des dispositions qui annoncées là pour nous garder comment ça marcher mais ça qui est important pour nous c'est que la Chambre des députés à travers le bureau de la Chambre des députés donc l'Assemblée des députés tout député tout bloc qui était là que ce soit APH que ce soit GPEP, que ce soit GPI, que ce soit OPL et Allié. Donc, tout bloc qui était là, qui était répondu présent, nous venons poser problème ça. C'est toute institution mobilisée pour que la population joue un service, pour que perception de vol de minutes ça, l'y camper. Donc, le monde mettait 10 gouttes 4 sous téléphone, nous, sans PEA, c'est lourd à le consommer. Donc, nous pas qu'à là pour nous parler pour nous. Nous avons un premier ministre qui est là, qui promet volonté politique, qui promet accompagnement, qu'on a tel. Voilà, au tap côté député Delma Garibodo qui fait connaître ses perceptions de vol de minutes, mais gens tout le monde connaît, c'est pas une perception, c'est vol de minutes, même compagnie téléphonique ou même yo vol de minutes moun. Soubopal, premier ministre haïtien Jacques Guy Lafontaine dit lui-même tout, lui victime, même gens akati peuple haïtien en bas, toute qualité, forme service compagnie téléphonique mobile à bay peuple haïtien qui donc compagnie yo vol de minutes, premier ministre lan tout. Dans sa salle, chef gouvernement m'a annoncé une séance travail avec ministre travaux publics transport et communication Fritz Kayo une manière pour réfléchir sur ensemble recommandations qui fait dans cadre rencontre là en côté premier ministre Jacques Guy Lafontaine dans micro José Lexidor. Même tout son consommateur, j'ai été victime. On va le rencontrer avec le ministre Travaux publics, côté nous parle bon séance de travail. Et à partir de séance de travail, là, en considérant tout ça que nous discutons après-midi ici, dans le Parlement, nous allons faire des recommandations à directeur Konatel là et n'a attendre tout que directeur Konatel là fait nous des suggestions de sorte que au plus haut niveau de l'État pour nous prendre décision jugée. Il y a environ en forme de premier ministre une partie là-bas et normalement mon service post payé et puis l'aime garder moi toute unité me partie. Avec dit me près de 10 000 gouttes qui parti. Bon était essayer bonne explication mais comme moi t'ai dit laisse ça me écrit. J'ai écrit, j'ai déposé plainte. Et si mes mots pas fait des faux, je crois que j'ai joué une solution suite à plainte ça. Et je crois que c'est le président de la République et c'est l'engagement de l'administration Moïse Lafontaine n'a plus lutté contre la corruption sous toutes les formes, quel que soit côté corruption dans le pays. Que dans l'État, que dans le secteur privé. Parce que il y a corrupteur et il y a corrompu. Voilà. Au tap côté premier ministre Jacques Guy Lafontaine li fait qu'on est même lui-même tout li victime à cause compagnie volé minute li tout donc si premier ministre la compagnie volé minute li c'est pas ti malheureux yo pour compagnie ça yo même pas ta gain droit pour tout pisi dans fin volé ti minute yo mettez à chaque instant sur téléphone yo.
L'autre information pour continuer à mobiliser contre le pouvoir en place là, leader plateforme petite Desaline, malgré ta santé, li pa fin kodjom, annoncé yon lot manifestation pour journée madia dans la Riport au Prince. Donc Moïse Jean-Charles a invité tout le monde vin participer dans manifestation ça pour continuellement de départ gouvernement en place là. Donc y a organisé le tout pour marquer 30 l'année massacre qui était fait dans Riel Vaillant et puis dit non à la remobilisation force l'armée d'Haïti. Moïse Jean-Charles a tenu micro Pierre l'unique revanche. Nous déjà dans mitan rivière. Nous ne pouvons pas faire bac haïtien. Et ça, comme je viens d'annoncer, demain matin, dans le papa de Saline, c'est moi-même qui vais le porter droit pour manifestation. C'est vrai qu'il y a une difficulté. Nous croyons que nous avons une responsabilité devant la nation. Et je viens là tout, c'est pour remercier la presse par l'écriture télévisée. Pour nous remercier les dirigeants avec mon petit Desaline, nous sommes contents, ouais, en pile, mon famille Lavalas est présent à l'aéroport. Nous venons saluer. En pile, notre parti politique, monsieur Taxi Moto, socioprofessionnel, mon ghetto, en pile, étudiant là tout. En pile élève l'école. Pendant deux jours, je fais solidarité ensemble avec nous. Je crois que je ne suis pas capable de remercier mon saïo. Malgré tout, le gouvernement Bano n'a pas de voyage. Je ne vais pas parler trop. Je vais seulement te dire tout le monde. Demain matin, depuis 10h30, je vais appeler mon imam. Et nous inviter tout le monde. Pour prendre la rue, hein, parce que nous ne pouvons pas camper dans la route, peuple haïtien. Si nous campons dans la route, ils vont le mettre au conseil électoral permanent, ils vont le mettre en l'armée, ils vont le mettre au conseil constitutionnel dans le nous, et ils vont l'amende de constitution contre nous. Préfère nous mourir debout, et nous mourir coucher. Ou les nous mourir coucher. Nous sommes venus annoncer ça, que nous reprenons l'activité. Nous tenons nous venus. Nous ne sommes pas tellement actifs dans la rue, hein, mais nous sommes là. Nous sommes seulement venus dire tout le monde, peuple haïtien. Hein. Merci en pile pour suivre au bon moins. Et nous commençons à prendre l'activité. Donc. Merci en pile. Voilà, au d'un côté, ancien candidat pour poste président Moïse Jean-Charles, état santé, monsieur Pafinko Djom. Donc, il y a un gros problème, Moïse, il y a un gros problème. Mais malgré ça, il fait qu'on est là pendant la manifestation. Il y a plusieurs centaines de partisans, magistrats principaux de Pétionville, Dominique Saint-Roch, qui manifestaient hier dans Pétionville, dans divers coins de Pétionville, pour dénoncer la décision du juge Wilner Morin, qui voyait devant le tribunal criminel pour le juger selon la loi pour implication dans l'association malfaite. En côté qui vient s'atteler dans le micro d'Aline Dorival.
une fois, merci d'être toujours été connecté Radio Paul, Signal FM 90.5 et puis sur www.signalfmhaiti.com pour informer ou dans l'ESA ou faire bon choix. N'a pas continué deuxième trans en journal là, mais nous pour aller avec un dossier corruption. Ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte continue à pas défendre gestion li dans ça qui gain pour avec fond pétro Caribéa. Dans une conférence pour la presse Libaye hier mardi à Pétionville, ancien Premier ministre sous administration Matelia voyait jeter accusation conclusion commission sénatoriale spéciale qui tape approfondi enquête sous gestion pétro Caribéa qui t'a accusé les comme moun qui t'a gaspillé l'agence si là donc l'état pas dit li fait connaître ces commissions évaluer beau plan même qui accusé là c'est une tractation y a fait contre pouvoir tête caléa. On écoute un reportage avec Dieudonné Saint-Cyr lui-même qui était présent dans la conférence. Un groupe sénateur opposition, Evalier Beauplan, Nenel Kassi, et bien, ils mettent les ensemble pour faire un document que ont présenté à la nation. Document ça, je qualifie de scandaleux. À qui on costume les souliers, Laurent Lamotte paraît très calme. Ancien Premier ministre Lan a souri de temps en temps. Chef gouvernement sous administration Matelia, sorti mai 2012 pour bout de décembre 2014, là, fait un pile contre-attaque dans avancé chiffres et documents pour défendre gestion sous fonds Petro-Caribéa. J'ai l'impression que je ne peux pas même lire pour moi-même. Mais nous-mêmes, nous lisons deux fois, trois fois, quatre fois. Et chaque fois, nous lisons, nous jouons erreur sur erreur sur erreur. Si dans page 262 rapport, la commission sénatoriale l'a dit, c'est une route qui sortit collade pour arriver à Seka Kavajal, Laurent Lamotte Tessien, et puis coûter l'État ici 20 894 900 $ américains, qui était deux mesurés 12 km. Après vérification, il a constaté route la mesurée 10,5 km. Ancien ministre planification et coopération externe fait connaître un chiffre commission inventé. Je dis que les 6,5 km supplémentaires, ça veut dire l'autre 6,5 km là, ils n'ont pas existé vrai physiquement. Et que moi, je m'étais ajouté dans le contrat à d'autres fins pour faire une accusation de détournement de fonds sur une route qui mesurait 15 km plus 1 km, bon 16 km, mes amis. Dans ça qui vient pour eux, à contrat sous construction route Sirivien Nip, avec petit trou Nipla, commissaire yon fait connaître superviseur Aegis International, là, pas de bail document qualificatif, l'étapsien contre ça, 27 décembre 2012, là, et puis des poussants versements au de bail DGIA, pas respecté, là encore, Laurent Lamotte fait connaître chiffre yon pas correct. Yon prend coup à kilomètre, là, yon dit que route petit rivière de Nip, petit trou de Nipla, li 995 000 dollars par kilomètre. 31 km divisé par 31 millions de dollars, bon 995 000 dollars par kilomètre. Et ça y a dit. Sou pas qu'on compte, on va pas accuser moun, ça très grave. Dans le document ça qui gagne 14 pages, Laurent Lamotte Baye, journaliste qui était présent, yo, dans l'idée pour établir vérité sur dossier ça, ancien premier ministre là démenti parole qui t'a fait quoi, film IBTA, t'a recevoir 51% dans contrat pour construire marché public Fontamara, alors ce qui travaille pas même dépassé 30%. Le nalé, en décembre 2012, mais un prix marché à 15,6 millions. Mais ça nous dépensait nous-mêmes à décembre 2014, 4 millions. L'aimer quitter, mais quitter à 25% de décaissement ou 30% d'avancement. Donc moi-même, pas de problème dans là. Qu'on a accusé moi-même que me décaisser trop, que ça niveau avancement il y a. Au CD font calcul de table de caisse 25% pour 30% d'avancement. Donc, côté problème, non, attaché à principe républicain, yo, Laurent Lamotte, voulait dire la vérité, rien que la vérité. Ces commissions mandées pour appliquer loi 12 mars 2014 qui réprimait corruption dans le pays d'Haïti. Ancien premier ministre, là, ou en action ça, yon démarche politicienne pour effet image parti politique, Fomil Avalas. Pour qui ça, sous tout chiffre convaincant ça, ou l'en mon, qu'on estime que, ou pas participer dans gaspiller l'argent vite au Caribé, en lieu place de guerre médiatique là, ou pas remettre parlementaire qui proche PHTK, puisque nous majoritaire dans le Parlement, non. Rapport ça, pour que le fait débat, au lieu que je dis à tout le monde innocent et tête, ancien ministre, tout le monde alors que, en plus le monde constate que l'argent vétro caribéen était très mal géré. Ça, c'est vous pensez ça? Tout le monde doit poser des questions. Mais, et bon, allez, amis, et bon, allez, vite non. Oh, vous posez une question, allez, moi j'ai ma bonne réponse. Ok. Dieudonné Saint-Cyr, Signal FM. Merci beaucoup, Dieudonné Saint-Cyr. Voilà, c'est comme ça a été dans Pétionville, ailleurs côté Laurent Lamotte lui-même, dans la déclaration le fait. L'Assemblée sénateur qui produit rapport, conclusion rapport ça, il semblait pas ta gain temps pour te lire rapport ça, il finit écrit. Mais malheureusement, sénateur semblait pas de gain temps pour lire rapport ça, lui-même, il l'a deux fois.
Et puis le fait qu'on ait sénateur Valier Beauplan Nenel Kasi Antonio Cherami nèg sa qui écrit rapport ça il a assemblé il y a un problème chiffre donc nèg pas connait chiffre yo mettait un bon faux chiffre dans rapport si là n'a continuer avec dossier corruption. Unité lutte contre corruption ULCC présenté à Yamadi Abay la presse plusieurs instruments essentiels qui visaient permettre état l'état haïtien lui-même combattre corruption dans pays parmi eux gagner la donne de guide pratique et technique sous loi 12 mars 2014 là qui traitait question prévention et répression phénomène si là en Haïti qui donc un phénomène corruption pour finir avec corruption qui représentait un cancer dans pays dans l'économie pays d'Haïti, directeur ULCCA David Basile fait qu'on est faut que l'état haïtien faut que autorité concernée yo ak la justice applique la loi contre toute corrupte a corrompu nan pays a sans passe pour qui. En écoutez explication directeur général ULCCA David Basile nan micro Pierre Lenuc Revanche. L'élaboration de ces deux guides techniques et pratiques possède donc de ce souci de parvenir à une appropriation des 27 articles contenus dans cette loi par le plus grand nombre de citoyens possible. Distingués invités, mesdames, messieurs, il me semble que je dois préciser que le guide technique est destiné à l'usage des acteurs de la justice en général et des magistrats en particulier. Qui sont appelés à faire une application rigoureuse et judicieuse de la loi du 12 mars 2014. Ce guide met à leur portée non seulement des clés de lecture qui faciliteront leur travail de compréhension et d'interprétation, mais aussi des éléments d'information et de clarification de termes. Ce qui participe activement à la volonté de l'ULCC de placer ses professionnels de la justice dans la meilleure situation cognitive possible au regard de l'exercice quotidien de leurs responsabilités. L'objectif visé, c'est de faire en sorte qu'ils puissent atteindre une maîtrise parfaite de toutes les subtilités de cette loi. Quant au guide pratique présenté en version créole et française, il répond à proprement parler aux soucis de vulgarisation et de sensibilisation évoqués plus haut. Ce guide s'adresse à la population en général, toutes catégories socio-économiques confondues, que l'ULCC entend impliquer activement dans la lutte engagée contre ce fléau dévastateur qu'est la corruption. En plus de présenter dans les termes les plus simples possibles les différentes infractions de corruption prévues par la loi du 12 mars 2014, il expose également la procédure à suivre par les citoyens pour dénoncer auprès de l'ULCC les faits de corruption dont ils ont connaissance. S'agissant du nouveau système de déclaration de patrimoine, qui rentre dans cette rubrique de nouveaux outils, sa mise à jour permet à l'ULCC de procéder avec plus d'efficacité dans les opérations de collecte. Voilà, on t'a écouté directeur général ULCCA David Basile. Lutte contre corruption représente un gros défi pour tout pays dans le monde là. D'après analyse chef délégation Union européenne en Haïti, diplomate Vincent Deger fait qu'on est bataille pour combattre un phénomène ça, exiger participation tout le monde dans la société haïtienne là, et puis autorité dans l'État. Vincent Deger by garantie Union européenne a continué supporter Haïti dans l'état là mené pour déchouquer phénomène corruption dans tout bon vrai donc pour permettre pays à lui-même aller sur rail développement. En côté Vincent Deger qui était dans micro Pierre l'unique revanche. Face à la corruption, mesdames et messieurs, il y a finalement deux attitudes possibles. La première serait d'esquiver le problème, d'essayer d'éviter ce sujet dérangeant,
qui perturbe la société et semble nous dépasser. De feindre de l'ignorer, de lui tourner le dos en le minimisant et finalement, en agissant ainsi, de cautionner la situation établie ou tolérée. La seconde option consisterait à l'affronter sérieusement, depuis l'intérieur du système, en renforçant les capacités et surtout la volonté réelle de l'État et de tous les acteurs avec lui de combattre ce fléau à travers des actes et des institutions mandatées à cet effet. Cette dernière option, vous l'aurez facilement deviné, est la stratégie choisie par l'Union européenne, d'abord en son sein, dans la gestion de son propre budget, comme de celui de nos États membres, mais aussi dans le cadre, bien sûr, de sa politique extérieure. C'est dans ce sens. Voilà, on a écouté le diplomate Vincent Dégé. Malgré tout effort cap qui déjà fait, un phénomène de corruption toujours à valer terrain administration publique là, d'après ordonnateur national là. Pour permettre la bataille là, pour tes bons résultats, Charles Jean-Jacques fait quoi? Faut que l'État lui-même a dit tout bon vote à poser bon action, bon côté payo, et puis tout acteur concerné yo impliqué yo dans lutte cap mené pour finir avec la corruption dans ça qui gagne pour ouais. Avec politique publique lieu sans démagogie. En écoute de précision, ordonnateur national Charles Jean-Jacques, dans le micro Pierre Lénico Evange. Durant ces trois dernières années, en dépit d'un contexte politique assez difficile, le gouvernement et en l'occurrence l'ULCC, avec l'appui de ses principaux partenaires au développement, a déployé des efforts constants pour mettre en place un cadre référentiel de lutte contre le phénomène de corruption indexé à juste titre par le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse. Et il a été indexé par le président comme étant justement le principal fléau de la nation haïtienne. Ainsi, nous félicitons l'USCC pour la production de trois outils principaux jugés pertinents pour endiguer ce fléau. Et il s'agit 1. Du réaménagement du dispositif informatique de collecte et de traitement des données concernant les déclarations de patrimoine fournies par les hauts responsables de l'administration haïtienne afin de détecter à la fois les cas de conflit d'intérêts et ceux d'enrichissement illicite. 2. De la révision, traduction en créole et diffusion du guide technique à destination des magistrats et des hauts fonctionnaires concernés par la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption, tout comme pour le guide pratique à destination de l'ensemble des citoyens lanceurs d'alerte ou victimes d'actes de corruption afin de les accompagner dans leur démarche. 3. De la révision du manuel de gestion des plaintes et de dénonciation à destination des agents de l'institution qui a été complété par la formation d'une quarantaine d'investigateurs et d'agents de l'ULCC aux procédures du manuel. En dépit de ces nombreux efforts réalisés, je voudrais indiquer que la corruption continue à représenter un des principaux défis pour l'État haïtien et que les efforts en vue d'endiguer ce phénomène doivent persévérer et redoubler. Signal FM, nous pis fort, nous pis haut, nous pis loin. Signal FM 90.5, c'est radio qui fait équilibre. L'autre information, ministre de l'Éducation nationale, en tête, yon délégation visite collège Maranatha à Yamadia, côté la police, témoigne gros opération, lundi 13 novembre 2017, là. Ministre Pierre-Josué Agenor Kader, lui-même, les pendant la visite, ça promet yon assistance financière à responsable collège Maranatha, et puis yon accompagnement psychologique pour bail élèves yo à professeur yo, pour permettre yon même yon reprendre travail yo à cause yon t'es traumatisé. Pendant PNH lui-même était fin mené opération qui était la cause des agents Udmo te mouri dans cadre bataille ici là en coute explication Pierre Josué Agenor Kader na micro d'Aline Dorival.
Regardez là, nous représentons plusieurs pouvoirs. Mais moi-même qui est là, pour pouvoir exécutif là, comme ministre de l'Éducation nationale, nous avons gardé nous trois parlementaires, honorable sénateur du Vichy-Ribin, qui lui-même c'est sénateur du Sud-Est, et en même temps tout président de la commission éducation dans le Sénat. Nous avons honorable sénateur Jean-Renel Sénatus, qui est là tout avec nous, qui est dans la commission justice, et qui c'est un directeur de l'école, un éducateur. Même Jean tout avec sénateur Chéribin tout, qui c'est éducateur. Nous avons avec nous tout un normalien, honorable député Fépierre, député Alcaïe, qui lui-même tout fait partie de la commission éducation dans la chambre députée. Donc nous avons pouvoir législatif, nous avons pouvoir exécutif. Donc c'était un devoir pour nous dépasser là, pour nous venir porter solidarité, nous, réconfort nous, par l'équipe collège Maradanta. Et c'est hier, nous reprenons le coup timidement et nous passons dans le salio. Il y a un bagage qui était un petit genre, on était dans la tête sénateur, sénatus. Là nous passons dans la classe, nous petit monde petit, préscolaire, quand on petit monde 2 ans qui a parlé, nous tendons ça le dit. Petit monde dit nous que nous avons arrêté directeur Amand. De nous tout, est-ce que nous-mêmes, c'est l'île où nous, les compassions, nous venons tirer tout. Donc, mais ça qui a traversé l'esprit de nous. Donc, nous venons comprendre qu'on est là avec passage nous-mêmes. Nous-mêmes, ensemble, autorité, nous allons regarder qui ça capable de faire pour nous encadrer et enseigner avec apprenants à eux, avec encadrement psychologique. Parce que logiquement, il y a une nécessité, présence des psychologues pour venir brasser l'idée avec eux, pour venir faire reprendre confiance. Parce que Jean-Noël là, il nous a traumatisé, même si je dis à eux, content avec présence ensemble. Et c'est hier encore, d'après ça, il y a une responsable de l'abdim là, qui c'est M. Pillard, professeur, lui dit, élève Reto, t'as pendé, elle posait la question, est-ce que, pas bon autorité, l'État a passé le nouveau là? Et pendant hier, il a posé la question, lui dit nous, lui étonné, aujourd'hui, il y a là, trois parlementaires dans le pays, un ministre, qui ont débarqué avec une délégation pasteur, il est président, et nous avons mis au service qui avec nous tout, et qui est même avocat, et la Fédération Protestante, et puis plusieurs pasteurs, nous venons rendre visite, et ils ont dit nous clairement que, ils ont senti, ils ont réconforté. Mais au moment de nous tout, faut que nous continuons à accompagner eux, puis nous la qui l'est? Est-ce que nous commençons à mettre une date précise pour nous commencer avec accompagnement ça, surtout réparation matérielle des gars qui a enregistré? Visite à son commencement. Maintenant, ça a son commencement théorique qui va demander une poursuite pratique. On va regarder tout, par exemple, on met mon dossier et dans le dossier, nous baillons des conseils, tout nous dit, mais qui gens pour bien monter le dossier, parce que nous-mêmes dans le ministère, là nous montons un dossier, il faut que nous acheminions la comptabilité pour être capable de faire l'autre côté. Parce que nous-mêmes dans le ministère, nous avons gagné l'argent, tout l'argent nous gagne dans le budget. C'est dans la finance. Donc, il faut un dossier pour nous. Ça fait dossier pour nous. Nous disons, dossier a bien monté avec toute plainte, tout montant, même si nous ne travaillons tout. Mais nous regardons qui ça nous travaille là-dedans. Et c'est peut-être ça nous disons. Il a fait dossier accompagné de on lettre de demande avec numéro compte collège Maranatha de manière sanabalia pour nous mettre là-dedans. Voilà, au top côté ministre de l'Éducation nationale avec la formation professionnelle, la Pierre Josué Agenor Cadet. Bon côté pas, le président de la commission éducation dans la République là, qui t'a accompagné tout ministre éducation nationale là, dit le porter solidarité là bas élève avec professeur dans le collège évangélique Maranatha. Sénateur Dieu Piché Rubin mande exécutif là pour le porter aide tout bas responsable collège ça avec professeur Timoun, yo même qui traumatisé. En côté précision, président de la commission éducation dans la République là, Dieu Piché Rubin dans micro d'Alina Doriva. La présence ce matin, c'est juste pour accompagner le responsable dans l'école Maranatha. Nous connaissons ça qui s'est passé. C'est tout à fait normal que nous, en tant que responsable, nous visiter au matin pour conforter, encourager, et montrer que nous ne sommes pas seuls, nous comprenons tout ça qui passe. Et en même temps, tout, pour nous barrer un peu d'espoir avec présence nous. Et puis, nous souhaitons que zone ça, qui a envie de tourner une zone de non-droit, qui un jour va en zone qui pacifie et que tout le monde là-dedans va sentir qu'ils vivent bien. Mais l'État va prendre en main la responsabilité pour que qu'ils créent plus l'école dans le pays, pour que tout le monde soit capable d'aller à l'école. Parce que tout jeune ça qui vous présente, il y a un danger pour la société. Hein? Si vous avez une occasion, vous avez un plat chaud pour manger. Et puis chita sont dans l'école, je ne veux dire, c'est pas là, vous tapez. Donc nous venons là, nous avons un petit monde qui est traumatisé et fait un peu de perte dans l'école là. Nous gardons, nous constatons avec Dieu par nous, nous connaissons qui gens pour nous continuer à faire pression sur l'État, qui déjà a un peu de responsabilité eux-mêmes pour accompagner l'école. Ça. Voilà, sénateur Dieu Piché Rubin, lui-même qui est président de la commission éducation dans Grand Corps. Accompagné tout à la ministre éducation, député Pierre-Julien Fekier, lui-même tout est à porter solidarité par élève, professeur dans le collège évangélique Maranatha dans Grand Ravine. Député Akaya, qui dit et membre, qui c'est tout membre de la commission éducation dans la chambre basse, promet tout pour accompagner responsable de l'école là, dans l'idée pour qu'il y ait un normalement dans l'école Maranatha dans Grand Ravine, côté la police, terminé opération 13 novembre. Passé à un côté député Pierre-Julien Fekir, dans le micro d'Aline Dorival.
Nous interpellons les partitions et ça a expliqué nous présents matin. Présents non seulement pour nous montrer, nous dénoncer cette fête-là, mais nous pas seulement été dans cette dénonciation, nous venons pour nous porter solidarité. Parce que nous croyons en réparation, nous croyons en justice. Alors, l'école, c'est l'espace qui crase toute barrière sociale, qui permet aux jeunes d'apprendre pour demain le bon clé. Mais nous qui permettre d'ouvrir quelque soit porte là pour venir ingénieur, docteur, parlementaire, n'importe ça au cahier. Nous-mêmes, nous sommes partisans de l'école. Nous venons porter réconfort à trois acteurs clés qui font l'école marcher. Nous avons présence là pour renforcer l'élève, qui c'est apprenant. Nous venons là pour nous renforcer enseignants qui ont enseigné qui a porté savoir là. Et nous venons là pour nous renforcer parents qui ne sont pas présents dans le moment. Nous avons un message clair que nous-mêmes, comme autorité politique, autorité constituée de l'État, non seulement nous présents matin, on a continué présent pour accompagner pour nouveau départ ça, pour l'école là où commence le travail, pour aller l'école là terminer faire. Voilà, on t'a écouté député Akayer Pierre-Julien Fekier. Administrateur collège évangélique Maranta fait quoi? C'est lundi 27 novembre, là, qu'il y aurait si reprendre dans le collège, après le t'es fermé porte li depuis lundi 13 novembre passé, à Alain Xavier fait qu'on est élève à professeur toujours sous choc, dégâts ça à Jean-Hugues Boyo avec présumé bandit au même lieu t'es causé dans le collège, là. En écouté Alain Xavier toujours dans le micro d'Aline Dorival. Il a d'ailleurs qui pas même Jacques Lotte, tout comme pas. Comment est-ce que ça vivement même Jean. Il y a des gens qui peut-être un peu naïf de ça qui passe, hein, pas comprendre vraiment portée l'événement. Ou même ils ne comprennent pas un an. Ils ont entendu qu'on parle qui est passé, mais ils n'ont pas senti vraiment le poids événement. Mais pour ça, toi, même l'autre là d'ailleurs qui gagne ce qu'elle ça passe dans l'esprit. Et les gens là, ils ont des gens effrayés, ils ont gagné la peur, ils ont des gens traumatisés. Pour ça, toi, pour gagner qui pas jamais capable de venir l'école, qui toujours suivre comment ça a déroulé. Et bien, toi, pour si vous venez, vous accompagnez avec les parents, vous avez toujours aimé, si vous avez fait journée à l'école, vos parents sont avec la bonne côté, vous avez besoin de présence bonne côté pour rassurer, tellement vous sentez que vous avez une peur qui va avoir. Et parents, comment vous avez mené les petits depuis hier, vous avez repris? Oui, depuis lundi, vous avez repris. Donc, c'est même bagarre la bonne côté, bagarre tout. Il y a un peu de parents qui toujours gardé sa foi, qui comprennent la situation, qui accompagnent les petits l'école, non seulement accompagnent les petits mais qui accompagnent l'école à tout. Qui aide nous dans la prière, dans la rencontre que nous gagnons, ils sont là pour encourager nous, pour nous conseiller. Et pour ça, tout le monde est toujours capable de faire des suivre comment les choses sont parties. Et là, on sent que tout le monde est bien stabilisé. Et puis, on a pris confiance pour que nous-mêmes, nous voyons tout le monde dans la ville de l'école. Tout le matériel, donc l'école a pillé de la tête jusqu'au pied. On est capable de dire ça. Tout le matériel que nous avons là, tant que matériel mobilier, nous, matériel article ménager, nous, tout ça pour ce que nous gagné pour le travail, ils ont emporté tout. Le nous sommes venus là après le drame, mardi qui était 14 novembre, nous avons vu ça et tout de suite nous avons fait un juge de paix, nous faire un constat pour nous. Le juge Amboise qui est dans le tribunal de section sud qui est venu avec nous, nous fait un constat pour nous. Et puis nous avons regardé comment ils ont emporté, alors nous avons joué tout le dossier, nous avons éparpillé, passé par là, mais mobilier nous, chaises, ventilateurs, ordinateurs, water cooler, tout ça nous a gagné comme matériel de fonctionnement de l'école, ils ont emporté tout. Mais nous sommes là, vite l'écraser, et l'homme vient vient vite l'écraser, vient porte là ouvrir ta tête. C'est même bagarre là pour lui, au directeur pédagogique là, écraser fenêtre là, écraser vite lui, porte ouvrir ta tête. Nous avons département musique l'école là, nous avons beaucoup tout instrument nous avons gagné, pour tout le monde qu'on exerce. Voilà, nous parlons dans le pays coréen. Dans le pays coréen, donc Corée du Nord, même a confirmé mercredi, a réalisé objectif pour venir état nucléaire. Après la fin testé avec un succès nouveau missile intercontinental qui mettait totalement continent américain dans porté qui donc totalement continent américain vini dans porté à cause de missiles ayo lancé après le fin assisté lancement missile Hwasong-15 dirigeant nord-coréen Kim Jong-un déclaré avec fierté désormais nous finalement réalisé et grand cause historique achèvement yon force nucléaire état d'après agence officielle KCNA. Ti sa li provoke fondement communauté internationale là ministre défense américain James Mattis li évoqué yon avancée qui représentait yon gros menace partout pour monde là.
Donc, il s'agit de ces tirs missiles à lui-même. Nord-Coréens y ont lancé depuis 15 septembre, parce qu'ils ont lancé déjà. Donc, hier, mercredi, mardi, ils ont relancé un lot encore. Donc, tirs missiles à lui-même, c'est pour anéantir espoir toute trêve qui observait Pyongyang. Donc, pour objectif, l'ouvrir porte by solution nucléaire qui. Que sous crise ça qui même qui suscitait programme nucléaire à balistique système zamanti type ICBM H Yongsong a tiré 15 ans c'est un missile intercontinental équipe ogive l'autre extrême large qui capable frapper totalement tout continent américain d'après confirmation KCNA. Développement à nucléaire, ça lui-même li, protégé et Corée du Nord, politique, chantage, donc menace nucléaire et même Corée du Nord y a fait sous américain. Donc c'est tir missile ça Corée du Nord lui-même li relancé hier encore. Donc Pyongyang lui-même li doit montrer li capable de maîtriser technologie ça qui entre au vide atmosphère depuis l'espace. Donc mais spécialistes ont estimé Corée du Nord lui-même li sous point pour développer une capacité pour frapper totalement continent américain. Donc c'est ça qui écrit dans article KCNA lui-même li publié hier dans pays Corée du Nord après yo fin lancé et yo fin lancé missile ça donc pour tester capacité yo gagner dans nouvelle technologie. Donc c'est un missile qui relé H-15 donc qui capable anéantir tout continent américain. Et puis yon mot dans sport pour nous finir, mais c'est avec basketball nous parler puisque hier te gen match qui te joué. Donc match qui te joué hier c'est Cleveland Cavaliers ali même ali bat Miami Heat 108-97 pour différence 11 points d'écart. Et puis Chicago Bulls ali même ali tombé devant Phoenix Phoenix 99-104. Phoenix bat Chicago Bulls pour 5 points d'écart. Donc, gagnant Minnesota qui tombait devant Washington Wizards 89-92 pour 3 points d'écart. Et puis, gagnant Utah Jazz lui-même qui crasait Denver 106-77 qui donc 23 points d'écart. Et ensuite, gagnant Sacramento Kings lui-même qui tombait devant Milwaukee Bucks, c'est 87-112 pour environ 25 points d'écart. Donc, c'était Machado qui t'a gagné hier dans basketball NBA. Et ensuite, pour match qui a gagné à Soya, à 7h, a gagné Phoenix qui a joué à Detroit. Dans même 7h, a gagné Oklahoma City qui a joué à Orlando Magic. Et puis, dans même 7h, toujours a gagné Washington Wizards qui a joué à Philadelphia 76ers. Dans 7h30, a gagné Miami Heat qui a joué à New York Knicks. Et puis, dans même 7h30, a gagné Charlotte qui a joué avec Toronto Raptors. Dans 8h, Minnesota a joué avec Nouvelle-Orléans. Dans même 8h, Indiana Pacers a joué avec Houston Rockets. Et ensuite, à 8h30, Brooklyn a joué avec Dallas. Dans même 8h30, a gagné Memphis qui a joué avec San Antonio Spurs. Et puis, à 10h30, a gagné Golden State qui a joué avec Los Angeles Lakers. Signal FM, nous pis fort, nous pis haut, nous pis loin. Signal FM 90.5, c'est radio qui fait équilibre. Signal, ça passe côté. C'est là, on a mis un bout à journal signal sans force côté pour mercredi 29 novembre 2017. Là. Mais avant d'aller, d'après le titre qui te fait essentiel, journal Silla. Pour l'autre fois, ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte prend la presse pour faire qu'on est innocent dans conclusion rapport commission sénatoriale spéciale qui a approfondi enquête sur fonds Petro-Caribéa. Laurent Lamotte a déclaré, c'est un rapport anti-tête calée. Ministre de Justice Lan Eddy Fortuné, ministre économie et finance Jude Alix Patrick Salomon, ensemble à Cro État-major PNH Lan invité journée mercredi à devant bureau Sénat République Lan. Problème à Yere Salin, prime risque pour policiers yo. Assistance pour famille policiers qui mourent dans exercice fonction yo. C'est quelque part mi point cap gain pour discuter dans rencontre si là.
Premier ministre Jacques Guy Lafontaine accompagné ministre Travaux publics là et puis directeur général Konatel là te répondre à Yamadia Jean ça t'a annoncé invitation bureau chambre député yo rencontre là t'est déroulé sous toute qualité service compagnie téléphonie mobile yo il y a ba dans pays nous t'attendait premier ministre qui dit même lui même tout li victime d'un phénomène volé minute sous téléphone. Secteur opposition populaire annoncé yon l'autre manifestation pour mercredi 29 novembre dans la rue Port-au-Prince. Mouvement ça c'est pour courir, c'est pour commémorer 30 l'année anniversaire massacre Riel Vaillant et puis dit non à remobilisation force l'armée d'Haïti. Les deux plateformes Petite Dessaline ont une conférence pour la presse à Yamadia pour faire qu'on ait l'IPAP qui a participé dans tout un mouvement mobilisation à cause état santé par Fin Kodjom. Moïse Jean-Charles a annoncé dans 3 mois encore la gain pour continuer à prendre soin dans le pays qui bat. Plusieurs centaines de partisans magistrats Pétionville, Dominique Saint-Roch manifesté dans la Rissa à Yamadia pour dénoncer décision juge instruction William Morin qui voyait devant tribunal criminel pour le juger suivant la loi pour implication dans association mal affectée. Président République Jovenel Moïse signe divers accords coopération cap a coûté 97 millions de dollars américains à pays Venezuela. Dans le cadre d'un point pour la presse, l'été baille dans le salon diplomatique à l'aéroport Toussaint l'ouverture. Pendant le retourné dans le pays, Jovenel Moïse rappelé et signe accords à Yoshita sous agriculture, infrastructure routière et énergie. Et puis, accompagné à la sénateur Dieu Piché Rubin, Jean-René Sénatus, député Pierre-Julien Fekier, représentant Collège Union Évangélique Baptiste d'Haïti, à la Fédération Protestante d'Haïti, ministre Éducation Nationale, à la Formation Professionnelle, Pierre-Josué Agenor Cadet lui-même, était visité Collège Maranatha en Gravine, 2 semaines après la police, terminé gros opération dans l'école Silla. Nous rappelons ça, c'était dans Gravine. C'est titre à Claude qui te fait essentiel journal sans fausse côté pour matin mercredi 29 novembre 2017 ça journal là lui-même est arrivé possible grâce à support et puis collaboration toute équipe ça la nouvelle là manœuvre technique Fabrice Boulané production Ferro des sources coordination Josué Lexidor en bas supervision Thomas Dumont rédaction Arnold Dorsius et puis présentation encore c'est serviteur ou Arnold Dorsius.